Aujourd'hui, je te propose de réaliser un petit parcours d'apprentissage que j'ai réalisé dans l'ENT pour t'apprendre à analyser le fonctionnement des circuits en série et en dérivation. Pour accéder à ce parcours, il te faudra faire une petite manipulation dans l'ENT. Tout d'abord, connecte-toi sur l'ENT. Tu arrives alors sur la page d'accueil. Clique sur les petits carrés ici. Une fois que la page s'ouvre, tu choisis ici l'application Moodle ENT. Lorsque tu as cliqué dessus, tu vois sur le tableau de bord, c'est-à-dire la page qui s'affiche, mon parcours d'apprentissage qui apparaît. Pour commencer, il suffit de cliquer dessus. Voilà, je te demande de réaliser ce petit parcours. Cela devrait te prendre environ 35 minutes. N'hésite pas à mettre cette activité en plein écran en cliquant sur les deux petites flèches ici. Tu auras ainsi plus de visibilité. Pour commencer le parcours, il te suffit de cliquer ici sur « Commencer le cours ». Lis bien les consignes, réponds à toutes les questions et surtout, n'hésite pas à recommencer si tu t'es trompé afin de corriger au maximum tes erreurs. C'est comme ça que tu apprendras le plus et c'est comme ça qu'est conçu ce parcours d'apprentissage. Allez, bon courage et surtout, bon travail!